Bonjour, je suis la fondatrice du projet Arcadie. En théorie, n'importe qui ou presque peut se présenter et devenir député. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. De quoi a besoin un candidat pour avoir une chance d'être élu? En premier lieu, le candidat a besoin de l'investiture d'un parti politique. Le parti va l'aider matériellement pour sa campagne. Il va coordonner la communication, la propagande électorale et lui donner une légitimité idéologique. Et avec un peu de chance, lui donner de l'argent pour sa campagne. En effet, les partis ont de moins en moins d'argent et en donnent de moins en moins aux candidats. Mais avoir l'investiture d'un parti permet d'avoir du temps de parole dans les médias et d'être plus facilement identifié par les électeurs. De quoi d'autre a besoin un candidat? D'argent. Faire une campagne pour être député peut coûter très cher. Le candidat doit donc trouver des fonds pour la financer. Enfin, le candidat doit avoir une bonne équipe autour de lui. Un candidat ne fait jamais campagne tout seul. Il a un directeur de campagne, un expert comptable qui surveille les comptes, des bénévoles et des soutiens. Gagner une élection, c'est un travail d'équipe. Un candidat peut-il être élu sans ces trois éléments? Un candidat peut se passer de l'investiture d'un parti politique. Mais il faudra qu'il ait bien travaillé le terrain avant. Cela veut dire aller à la rencontre des électeurs. Pas juste être parachuté dans une circonscription. D'ailleurs, les parachutés ne peuvent même pas voter pour eux-mêmes la plupart du temps. Il faut vivre dans la circonscription pour voter pour soi-même. Par contre, un candidat ne peut pas faire campagne sans argent, c'est impossible. Ni faire campagne sans une équipe soudée et motivée. Il n'y a pas de formule magique pour être élu député. Il faut simplement travailler avant l'élection et être bien entouré. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut. À bientôt !